Dans la série des belles lectures et des belles découvertes de ces derniers mois, Impossible de Eri De Luca. Question. Reprenons au début de votre journée. Vous ne reconnaissez pas la personne de la photo que je vous ai montrée. Réponse. Je ne la reconnais pas, j'oublie les visages à plus forte raison des années plus tard. Je ne pourrais que répéter ce que j'ai déjà dit. Ce n'est pas sûr. Vous pouvez ajouter quelque chose que vous n'avez pas dit avant. Peut-être, mais il ne s'agit pas d'une conversation entre deux voyageurs dans un train. Je suis interrogée par un magistrat. Vous décidez des sujets, mais moi je décide si j'ai envie de livrer ou non un souvenir. Je comprends. Je vous demande tout de même de revenir sur votre journée. Je me réveille tôt, vers 5 heures. J'attends 7 heures pour descendre dans la salle à manger et prendre mon petit déjeuner. Je remonte dans ma chambre, je me lave les dents, je sors, je prends ma voiture et je me dirige vers la montagne que j'ai décidé d'escalader. Je cherche des endroits difficiles, en dehors des sentiers battus, pour me sentir à l'écart du monde. Ce jour-là, j'ai choisi la vire du Bandiarak en Val Badia. C'est un endroit escarpé et dangereux. J'ai laissé ma voiture et j'ai emprunté le sentier obligatoire qui monte de la Capanna Alpina au col de Lokia. À 7h30, il n'y a encore personne. J'ai été étonnée de voir quelqu'un plus haut qui me précédait. Un homme ? Oui, un homme. On peut avoir un curieux comportement en montagne. Si l'on sent quelqu'un derrière soi qui grimpe plus vite, on accélère pour ne pas se faire dépasser. C'est enfantin, mais fréquent. Il est évident que si l'autre est plus rapide, on sera rattrapé. Celui qui est devant force le rythme et devra bientôt ralentir ou s'arrêter pour reprendre son souffle. Quand c'est moi qui tombe sur quelqu'un de plus rapide, je ralentis et je lui cède le passage. Je n'aime pas avoir quelqu'un derrière mon dos. Vous voyez ? Cette remarque ne figurait pas dans votre précédent compte-rendu. La présence de quelqu'un dans votre dos vous dérange. Vous préférez être derrière, suivre. C'est intéressant. Continuez. Je suis jusqu'au moment où je dois dépasser. Je n'ai pas rattrapé cet homme. Il avait manifestement forcé le pas. C'est mieux ainsi, je préfère éviter. Quand je grimpe à un rythme soutenu, mon corps entre dans une sorte d'état de méditation pendant que ma tête passe de pensées légères à d'autres plus solennelles, à des images, couplets de chansons, dialogues à distance. C'est un rythme intense et je n'ai pas envie de l'interrompre pour dépasser quelqu'un et saluer. Quand je grimpe, je ne fais pas de pause. S'il faut réduire l'allure, je ralentis, mais je ne m'arrête pas. Toujours est-il que je suis arrivée au bout du sentier au col de Lokia, où commence le haut plateau de Fanes, sans avoir à dépasser qui que ce soit. De là-haut, on s'écarte du chemin de terre battue pour emprunter la vire du Bandiarak, au pied de la paroi verticale du Piscontolines. C'était un endroit bien connu des braconniers d'autrefois. Voir cette personne devant moi qui se hâtait dans cette direction m'a agacée. Elle se hâtait ? Du col de Lokia, il faut d'abord descendre dans une dépression, puis on recommence à monter. Cet homme devant moi courait en descente. J'ai continué dans la même direction, à pas plus lent. Si cet homme voulait mettre de la distance entre nous, j'étais d'accord. Je ne l'ai plus vu pendant un moment, puis je l'ai retrouvé à nouveau au début du passage sur la vire. Il était à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Vous l'avez revu combien de temps après ? Pas plus de 2 heures après. Il marchait craintivement. Craintivement ? C'est-à-dire ? Il s'appuyait à la paroi. Sur ce sol caillouteux, il faut mettre tout le poids du corps sur le pied pour ne pas glisser. Mais en s'appuyant à la paroi, cet homme compromettait son équilibre. C'est ce que fait celui qui ne se sent pas sûr de ses appuis. Je vois. Continuez. Je n'ai plus pensé à lui. Le passage sur cette vire exige de la concentration. De regarder fixement par terre, un pas après l'autre. C'est comme si l'on essayait de ne pas faire de bruit, parce que le bruit est synonyme de cailloux qui glissent sous les pieds. Sur la vire du Bandiarak, il faut faire les bons pas à côté du précipice. J'ai avancé ainsi encore 1 heure environ. Je suis arrivée à un endroit qui était éboulé. Les pluies, l'accumulation de la neige de l'hiver passé balaient des portions du sentier, laissant une crevasse au milieu. Je ne pouvais pas continuer. Je devais rebroucher ce chemin. C'était sans regret. Mon but est de marcher dans des endroits déserts et j'avais déjà obtenu ma part. L'éboulement n'était pas récent, mais on voyait quelque chose au fond.
J'ai pris mes jumelles et j'ai vu des vêtements au milieu des rochers. Impossible de descendre pour vérifier. J'ai appelé le 112 et j'ai fait le signalement. Puis j'ai attendu pour indiquer l'endroit à l'hélicoptère. Il est arrivé en 20 minutes. Ensuite, je suis revenue sur mes pas et maintenant, depuis quelques jours, je répète cette journée pour la troisième fois. Vous n'étiez pas ensemble ? Non. Je vais seule en montagne. De toute évidence, cet homme faisait la même chose. Vous n'avez pas entendu crier, une personne qui chute crie. Je n'ai pas entendu crier, sinon je me serais dépêchée pour essayer de porter secours. Qu'emportez-vous dans votre sac à dos ? Des jumelles ? Et quoi d'autre ? Un bout de corde, des mousquetons au cas où je devrais aider quelqu'un en difficulté, une toile imperméable et une autre pour me réchauffer en cas de bivouac forcé. Je n'emporte ni à manger, ni à boire. Pas de boussole ? Je ne vais pas en mer. Vous avez appris plus tard à qui appartenait ce corps ? Par le journal. Une étrange surprise, n'est-ce pas ? Vous vous trouviez sur le même sentier peu fréquenté, 40 ans après le procès ? Lui ou un autre ? Il se produit bien des accidents en montagne. J'ai échappé à plusieurs. C'est une question de chance. Des accidents. Décider si celui-ci en est bien un est du ressort de ma fonction. La coïncidence éveille les soupçons. Coïncidence. Une des innombrables qui se produisent autour de nous et que nous ne remarquons même pas. Mais dans ce cas précis, le mot coïncidence ne vous suffit pas. Pour décider s'il s'agit d'un accident, je dois parvenir à exclure qu'il y ait eu une rencontre intentionnelle entre vous et cet homme qui fut autrefois un collaborateur de justice, qui a contribué à l'arrestation d'un bon nombre des vôtres, vous compris, et qui a purgé pour ça une longue détention. Vous êtes disposé à parler d'accident du travail quand il s'agit en réalité d'homicide de travailleurs, poussé au-delà des limites de leur résistance et des conditions de sécurité. Vous qualifiez d'accident les dizaines de milliers de blessés et le millier de morts dus au travail manuel chaque année en échange d'un salaire. Mais si vous doutez du mot « accident » quand il se rapporte à une activité périlleuse, ludique, avec des risques pris délibérément, en toute conscience du danger encouru. Ce sentier de la vire est difficile. Est-ce moi qui ai amené cet homme là-haut ? Est-ce moi qui l'ai porté sur mon dos pour le jeter dans le vide ? Ceux qui vont là tiennent compte du précipice. Votre question devrait être, dans de telles conditions, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? La réponse est personne. Nous n'avons pas de commanditaire. Ils sont inutiles. La montagne est un mobile suffisant. Drôle de jeu de mots, n'est-ce pas ? La montagne, immobile par nature, est un mobile. C'est exactement ça. Elle attire à elle. Chacun a ses propres raisons d'y aller. La mienne est de tourner le dos à tout, de prendre de la distance. Je rejette le monde entier derrière moi, je me déplace dans un espace vide et aussi dans un temps vide. Je vois comme était le monde sans nous, comme il sera après, un endroit qui n'aura pas besoin qu'on le laisse en paix.